Après le prix du cacao, le prix du café qui va fortement augmenter. Et oui, les feux de forêt au Brésil, les feux dans l'état de Minas Gerais, la sécheresse, tout ça va faire augmenter le café. Le café a augmenté depuis le début de l'année à Belo Horizonte de 20%. C'est tout simplement énorme. Ici, je vous parle de l'Arabica qualité gourmet. La qualité supérieure, c'est la qualité spéciale. Qu'est-ce que nous voyons ici ? C'est que l'impact climatique, du réchauffement climatique sur la production de denrées alimentaires et notamment le café. Ça fait plus de 150 jours qu'il n'a pas plu à Belo Horizonte et dans le Minas Gerais, il fait 20% de taux d'humidité, parfois 15, et ça, c'est très dangereux pour les caféiers s'il ne pleut pas avant la fin septembre. On pourrait avoir un cours de café qui augmente de 30 à 40% très rapidement avec de mauvaises récoltes pour l'année prochaine.